this morning, and this is our 25th hearing in our 167th regular sessions. The hearing is for us to have reports of impunity and lack of independence of the judiciary in Haiti. This session was requested by certain civil society groups who will introduce themselves as they speak. We have up to last Wednesday when the officer in charge of making arrangements for hearing was still in the secretariat, not heard anything from the state of Haiti, whether they would be here or not. And up to this morning, whilst we've been here, we have also not heard anything. So the conclusion clearly must be that they will not be present. It is unfortunate that they will not be present, because it is really much more helpful when the state is here so that you both can have a dialogue and that we can intervene to assist both sides. And it enriches the entire proceedings. And so we do we're not too happy about the fact that they're not here. And the purpose of this hearing is to gather information about the situation of impunity in Haiti and about the lack of independence, impartiality, and neutrality of the judiciary. In particular, the hearing will focus on topics such as punishments of officials who violate national, regional, and international norms, and the need for a legal framework that is consistent with regional and international standards on human rights. We'll also look at impunity for past human rights violations and the possibility of setting up a truth commission to establish the facts of those violations. I think 25 minutes instead of the 15 which had been allocated to you. And if you need more time, you could go up to 30. But before we start this, I do have a matter to mention. And this is a matter that the Commission takes extremely seriously. We had reports this morning of a participant in one of our hearings who has been threatened with the precaution measures which she has, that those protections under that measure will be taken away because she was a participant. We always do announce and expect, and the states know this and have known this for many years, that no state can take any action adverse to the rights of anyone who appears and participates in any of our hearings. And I am shocked that this can happen. And this participant is in fact a Colombian, and this should not have happened. And we will see what further action we will need to take on the matter. With that, I invite you to commence your interventions and submissions. Thank you. Ok, bonjour, merci. Mon nom c'est Danielle Magloire. Je suis la coordonnatrice du collectif contre l'impunité, qui est un regroupement d'organisations de droits humains qui travaillent sur la question et qui collabore aussi avec un ensemble de plaignantes contre l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier et consorts. La délégation ici est composée de l'avocat du collectif, Maître Jean-Joseph Exumé, de collègues qui collaborent avec nous, une organisation qui s'appelle Avocats sans frontières Canada, qui est notre principal partenaire depuis le début sur le dossier, avec M. Philippe Tremblay et Gaël Pétillon, qui sont des conseillers juridiques de cette organisation. Et puis nous avons aussi dans la salle d'autres collègues de la Colombie et d'Haïti qui sont venus assister à l'audience. Donc nous vous remercions vivement d'avoir accepté notre quête, notre demande de nous permettre de participer à cette session. La présidente vient de rappeler un contexte difficile de ce qui
peut advenir quand on se présente aux sessions. Nous sommes au plus haut point concernés également en Haïti par ces questions et il est important pour nous ici maintenant de rappeler l'importance que la CIDH a pour Haïti et l'importance que mérite Haïti d'avoir aux yeux de la CIDH, au-delà des barrières linguistiques, qu'on ne peut pas accepter comme étant un élément qui fait qu'un pays qui est membre soit plus ou moins présent. On a une toute petite île, mais on a besoin d'être présent et nous pensons sincèrement qu'Haïti mérite toute l'attention de la CIDH. L'intervention qui va être faite va comporter 4 points. Dans un premier point, une mise en contexte va être effectuée par Philippe Tremblay, d'Avocats sans frontières Canada. Le second point, c'est les dysfonctionnements du système de justice qui vont être présentés par Maître Jean-Joseph Exumé. Le troisième point, c'est l'absence, le manque de volonté politique que je vais traiter. Et le dernier point, ce sont nos demandes vis-à-vis de la CIDH qui vont être présentées par Gaël Pétillon. Merci. Mesdames, Messieurs les commissaires, merci beaucoup de cette opportunité de nous adresser à vous. Comme le disait Daniel, je vais brosser un portrait et revenir un peu sur certains moments, jalons qui ont ponctué les dernières années. En fait, c'est la troisième fois en 7 ans qu'une audience thématique de la Commission porte sur les obstacles qui gênent l'accès à la justice pour les victimes des violations graves des droits humains qui ont été commises en Haïti, et notamment celle du régime de l'ex-président à vie, Jean-Claude Duvalier, qui a été au pouvoir entre 1971 et 1986 en Haïti. Nos collègues du collectif contre l'impunité, qui réunit plusieurs de ces victimes, ont comparu une première fois devant la commission quelques semaines à peine après le retour de M. Duvalier en Haïti en janvier 2011. À cette occasion, le collectif avait dit douter de la capacité du système judiciaire haïtien de rendre justice aux victimes de Duvalier dans des conditions respectueuses des standards internationaux applicables. Pendant l'audience, pourtant, l'État était présent à la personne du directeur général du ministère de la Justice qui s'était engagé formellement à cette occasion à ce qu'une enquête diligente soit bel et bien menée sur les faits qui étaient allégués par les plaignants. Dans la foulée de cette audience de 2011, la Commission a émis, donc le 17 mai, une déclaration très importante par laquelle elle rappelait que les violations systématiques des droits humains commises sous le régime Duvalier constituaient des crimes contre l'humanité qui n'étaient pas prescriptibles et ne pouvaient pas faire l'objet d'une amnistie et que l'obligation internationale d'enquêter sur eux et de les sanctionner était une norme impérative du droit international. En mars 2014, cette fois accompagné par leur partenaire d'Avocats sans frontières Canada, ici présent encore aujourd'hui, le collectif s'est présenté à nouveau devant la Commission. Cette nouvelle séance est intervenue un mois à peine après que la Cour d'appel de Port-au-Prince eut rendu une décision historique par laquelle elle concluait qu'il était effectivement possible de poursuivre Jean-Claude Duvalier et ses collaborateurs pour des crimes contre l'humanité, même si ce type de crime n'était pas explicitement défini en droit haïtien. Par le fait même, la Cour d'appel ordonnait un complément d'enquête afin de déterminer si la preuve disponible justifiait une mise en accusation pour crime contre l'humanité et la tenue d'un procès sur le fond du dossier. Lors de cette audience, qui s'est tenue le 28 mars 2014, le collectif et Avocats sans frontières Canada se sont évidemment réjouis du dénouement de la procédure qui s'était déroulée devant la Cour d'appel, mais se sont quand même inquiétés des conditions dans lesquelles celle-ci s'était déroulée. On s'était notamment inquiété de l'hostilité qui avait été affichée par le ministère public envers les victimes qui s'étaient constituées partie civile pendant les audiences publiques qui avaient eu lieu à Port-au-Prince sur cette affaire. À la suite de cette seconde comparution devant la Commission a adopté un communiqué de presse en mai 2014 dans lequel elle a appelé tous les États membres de l'Organisation des États américains à ouvrir leurs archives portant sur les violations des droits humains commises sous le régime de Duvalier en Haïti. 4 ans plus tard, en 2018, donc, nous déplorons que, et comme mon collègue Maître Jean-Claude Exumé l'expliquera plus en détail pendant son intervention,
plusieurs des dysfonctionnements qui ont été exposés à la Commission lors des audiences de 2011 et 2014 persistent encore aujourd'hui et la décision de la Cour d'appel est restée largement sans effet. Voilà pourquoi nous estimons fondamental que la Commission, qui ne s'est pas rendue en Haïti depuis 2007, s'intéresse à nouveau aux sérieuses lacunes du système judiciaire et notamment de la procédure intentée contre Duvalier, qui doit se poursuivre contre ses collaborateurs, même si M. Duvalier lui-même est décédé en octobre 2014. Le suivi de la Commission nous apparaît d'autant plus fondamental que le gouvernement haïtien a choisi, en mars 2017, de mettre un terme au mandat de l'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Le gouvernement haïtien a justifié cette décision unilatérale par sa volonté de faire d'Haïti un pays attractif aux yeux des investisseurs étrangers, laissant entendre par là que, à ses yeux, la reconnaissance de l'existence de défis en matière de droits humains représente un aveu de faiblesse qui est nocif à un bon climat d'affaires. Depuis la disparition du mandat de l'expert indépendant, les défenseurs des droits humains en Haïti ont perdu un soutien très important qui relayait leurs préoccupations auprès des instances internationales et notamment auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Ce vide n'a pas été comblé et laisse les défenseurs largement à eux-mêmes, alors que le contexte dans lequel ils évoluent devient chaque jour plus hostile aux droits humains et surtout aux droits des femmes. En effet, depuis quelque temps, on voit émerger des propositions de lois qui sont clairement liberticides et qui font écho à l'influence grandissante au sein de la classe politique d'un conservatisme social promu notamment par les églises évangélistes. C'est ainsi qu'a été adopté en mars 2017 par le Sénat, en août, pardon, 2017 par le Sénat haïtien, un projet de loi qui prévoit de rendre obligatoire l'obtention d'un certificat de bonnes mœurs en vue d'avoir accès à certains services publics, à certains emplois, à des postes électifs et même de pouvoir exercer son droit de vote. Ce projet de loi définit certaines situations qui empêcheraient une personne d'obtenir un certificat de bonne vie et mœurs, notamment un comportement qui pourrait heurter la pudeur et constituer une atteinte à l'intégrité morale sans définir clairement ces concepts, ce qui ouvre la porte, vous l'aurez compris, à des interprétations larges et arbitraires. Par ailleurs, le Sénat a également approuvé cette même année, en 2017, un projet de loi sur la diffamation qui visera à protéger l'intégrité et l'honneur de toute personne et doter d'un cadre légal la presse et tout autre moteur de propagande. Ce sont les mots qui ont été employés dans le texte de loi. Bien que ces projets de loi ne soient toujours pas adoptés et puissent encore être jetés par la Chambre des députés, ils illustrent bien la croisade morale qui mobilise une part de plus en plus importante de la classe politique en Haïti, une classe politique qui semble croire davantage à l'importance de la rédemption, de la repentance, qu'à celle de la vérité et de la justice, et cela nous inquiète au plus haut point. Voilà, je vous remercie. Bonjour, mesdames, messieurs les commissaires. J'ai la mission de vous parler brièvement de la situation du système de justice en Haïti aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire que, en fait, il n'y a jamais eu de pouvoir judiciaire en Haïti. Si on lit les constitutions haïtiennes depuis le début, il est évident qu'il parle, que la Constitution parle du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de pouvoir judiciaire et ce que nous avons eu, c'est surtout, je pourrais dire, un ensemble de corps, les différents ordres de tribunaux, mais qui ne constituent pas un pouvoir judiciaire à proprement parler. Il y a eu beaucoup de revendication à ce niveau-là. Et après le départ de Jean-Claude Duvalier, beaucoup de membres de la société civile, des organismes de défense des droits humains, etc., ont plaidé pour qu'enfin on ait un pouvoir judiciaire digne de ce nom. Mais à la vérité, en 2007, il y a eu une loi qui a créé le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui pourrait faire croire
qu'effectivement, on était sur le point d'avoir l'émergence d'un pouvoir judiciaire. Mais déjà, si la loi a été votée en 2007, comme je viens de le dire, mais la mise en œuvre, l'établissement de ce conseil n'a eu lieu que 5 ans plus tard, en 2012. Et on était en droit, non, de nous attendre à ce que, effectivement, nous ayons au moins un organe d'administration, un organe de gestion du pouvoir judiciaire. Mais nous devons reconnaître qu'il n'en est pas, il n'en a pas été ainsi, malgré tout. Puisque le CSPJ, le Conseil supérieur, n'a pas vraiment joué son rôle. Et aujourd'hui, comme je le dis, on est obligé de constater que le système de justice en Haïti ne s'est pas amélioré. Et à bien des égards, on peut même dire qu'il s'est dégradé. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons un dysfonctionnement extrêmement important. Un dysfonctionnement extrêmement important, caractérisé par la lenteur inconsidérée des procédures, une sorte de formalisme exacerbé. Nous avons l'irrespect de tout par les acteurs même, c'est-à-dire les juges, les membres du parquet, etc., les avocats, tout le monde, et un irrespect par les acteurs des lois sur l'organisation judiciaire, telles que celles sur le respect des délais, de l'horaire des tribunaux, etc. On constate un faible accès de larges couches de la population à une justice efficace et scélère. La désuétude des normes juridiques, l'obsolescence des codes et des textes de loi. Alors, dans le domaine pénal, par exemple, je dois rapidement vous dire qu'il y a actuellement quand même un effort qui a été fait, puisqu'il y a deux projets de code, un projet de code pénal et un projet de code de procédure pénale qui se trouvent devant le Parlement, qui ont été déposés depuis avril 2017. Qu'il me soit permis de vous préciser que le code pénal haïtien et le code d'instruction criminelle haïtien datent de 1835, sans qu'il y ait eu de modification ni de codification par la suite. Alors, une deuxième chose que je devrais mentionner pour vous, honorable commissaire, c'est qu'en Haïti, il y a une corruption généralisée. Corruption généralisée dans la justice. Et je dirais que cette corruption est en quelque sorte alimentée par les pouvoirs publics, en raison justement de l'impunité. Et cette impunité, elle banalise les actes de corruption, pour le moins. Alors, comme conséquence de tout cela, comme conséquence de ces dysfonctionnements, on constate une perte de confiance des justiciables dans le système de justice haïtien. Et surtout, on fait face à une totale insécurité juridique qui constitue un blocage, un obstacle majeur à l'investissement et au développement du pays. Et le tout, je pense, est aggravé par l'instabilité et surtout un manque évident de volonté politique dont ma collègue Danielle va parler. Merci beaucoup. Merci. L'absence ou le manque de volonté politique, plus souvent qu'autrement, on pourrait parler d'absence de volonté politique. Or, c'est une des exigences de la lutte contre l'impunité, avoir une volonté politique. Certainement, on a besoin d'un arsenal d'outils juridiques, mais s'il n'y a pas la volonté, même s'il y a beaucoup de moyens financiers, s'il n'y a pas ce choix des orientations de rendre justice aux populations, on ne va pas très loin. Concrètement, il s'agit donc de garantir aux populations le respect de leur droit à avoir un recours qui soit rapide, effectif, devant un tribunal qui est non seulement impartial, mais surtout aussi compétent.
tel que l'exige d'ailleurs la Convention américaine sur les droits humains. L'absence de volonté politique auquel nous assistons conduit à la persistance d'un vide institutionnel qui lui-même favorise la récurrence de l'impunité. Au fait, c'est comme un cercle vicieux, l'un alimentant l'autre. La partialité des institutions, une partialité, il faut le dire, se le rappeler tout le temps. Les années ont certes passé, mais quand une dictature a duré 30 ans dans un pays, ça manque durablement les structures. Même si les figures de proue de la dictature ne sont plus là, le système est encore en place, ou du moins une bonne partie de ses méthodes, de sa manière de fonctionner. Et c'est à ça qu'on doit tout le temps faire face. Il y a certainement des discours qu'on observe au niveau des responsables politiques sur l'amélioration du fonctionnement de la justice, mais on est bien obligé de constater que ça fonctionne bien davantage comme des slogans à destination de la consommation internationale que par véritable souci de satisfaire les populations. Donc, les pratiques nocives continuent à perdurer et le jeu de l'impunité se passe entre les dirigeants sur la logique du renvoi d'ascenseur. On ne va pas trop agir pour punir certaines catégories en espérant qu'à son tour, lorsqu'on sera en difficulté, eh bien, il y aura le renvoi de l'ascenseur. Et à cet égard, il est important de distinguer deux aspects de la question, au plan purement technique et au plan strictement politique. Au plan technique, le fait de ne pas intervenir du tout, ce qui est actuellement l'attitude du régime en place, c'est aussi une manière de favoriser l'impunité. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire d'orienter dans quel sens ça devrait être fait, mais le fait de ne pas s'en occuper, de ne pas traiter les dossiers, c'est aussi une manière d'alimenter l'impunité. Et à cet égard, on a un cas, encore dans l'affaire Duvalier et consorts, extrêmement important. C'est la question des crimes financiers. Les crimes financiers, ça a été dur, mais ça a été établi, notamment avec l'aide des tribunaux suisses, où le tribunal fédéral suisse a adopté une loi qu'on appelle communément la loi ex-Duvalier, mais qui est une loi sur les avoirs illicites, et qui a établi qu'il s'agissait des avoirs de la famille Duvalier, c'était des détournements de fonds publics. Cependant, l'État haïtien ne poursuit pas l'affaire. Un juge a déclaré que c'était de simples délits, hein, et l'État haïtien n'a pas contesté. Et dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Les avoirs en Haïti, eh bien, la famille Duvalier continue, jusqu'au moment où nous parlons, à jouir de tous ces avantages financiers qui sont des spoliations de l'État. Ne pas intervenir, c'est aussi, point de vue technique, faire comme si des avancées réelles étaient effectuées. Comme l'a expliqué Maître Exumé, on a établi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais les problèmes inhérents même au mode de constitution font que la structure ne pouvait pas être opérationnelle en elle-même. C'est ce que j'appelle faire comme si. On met une instance en place, mais on sait qu'elle est bancale, qu'elle ne pourra pas aboutir au résultat escompté. Et puis, il faut dire aussi une certaine indifférence, un désintérêt. Et le fait de ne jamais rappeler à l'ordre les responsables lorsqu'ils accusent de certaines dérives. Par exemple, lorsque le ministère public se permet d'accuser les plaignants d'avoir été des fauteurs de troubles, le fait de s'être opposé quand ils étaient jeunes à la dictature, comme une justification, et que personne ne rappelle à l'ordre cette magistrate pour lui dire « Votre rôle, c'est de défendre la société. » Et dernier élément aussi qui contribue, point de vue technique, aussi à favoriser les impunités, c'est de ne jamais prendre acte, de ne pas poser un certain nombre d'actes, soit la contestation, soit signifier un ensemble de choses qui font que les choses vont se dérouler comme si de rien n'était. Et en liaison avec la question politique, c'est les prises de position
que des officiels du gouvernement peuvent avoir pour faire état de leur adhésion à l'idéologie qui était prônée sous la dictature, ce qui est extrêmement grave. Et il faut se rappeler, et beaucoup de nos pays dans la région ont vécu ça, des dictatures, lorsque les plus hautes autorités politiques prennent position, il y a beaucoup de peur d'avoir des disparitions, des exécutions. Donc ça aussi, ça a des effets sur le système de justice, puisque c'est un ensemble de signaux qui sont envoyés. Actuellement, nous n'avons pas ce discours de la part du président de la République, mais son désintérêt exprimé, manifesté par rapport à ces questions, sous prétexte que Haïti a tellement de problèmes, hein, que s'occuper des crimes du passé, de vérité, de justice, de devoir, de mémoire ne serait pas important. Évidemment, point de vue que nous ne partageons pas, et nous pensons que cela ne fait qu'encourager le désintérêt, qu'encourager le laxisme des juges et des avocats, et surtout faire qu'on se retrouve dans une situation où l'affaire dans la pratique repose essentiellement sur la volonté de citoyennes et de citoyens engagés, l'État étant absolument absent. C'est pour ça que nous pensons que cette absence de volonté politique, elle est effective et qu'il importe justement de rappeler à l'État haïtien ses obligations en la matière. Bonjour, chers membres de la Commission. En guise de conclusion, le collectif contre l'impunité et Avocats sans frontières Canada aimerait présenter respectueusement 10 requêtes à la Commission. La première, compte tenu des retombées significatives de la déclaration émise par la Commission en 2011 et à la lumière de la fin du mandat de l'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits humains en Haïti, nous recommandons à la Commission de jouer un rôle important d'observation et de suivi de la lutte contre l'impunité de la justice en Haïti. Deuxième requête, nous recommandons à la Commission d'entrer en dialogue avec l'État d'Haïti en vue de réaliser une visite dans le pays pour suivre la mise en œuvre par l'État de ses obligations internationales en matière de lutte contre l'impunité et en matière de droits humains. Troisième demande, nous aimerions que la Commission appelle l'État d'Haïti à lutter efficacement contre la corruption, notamment par des enquêtes contre des fonctionnaires soupçonnés d'avoir manqué à leur devoir d'éthique, de neutralité et d'impartialité. Quatrième demande, le collectif et Avocats sans frontières Canada demande à la Commission d'exhorter l'État d'Haïti à consacrer une portion plus importante de son budget pour le fonctionnement adéquat du système de justice et son accessibilité. Nous recommandons aussi à la Commission d'exhorter l'État d'Haïti à mener à terme le processus de réforme du système de justice par l'adoption des projets de code pénal et de code de procédure pénale, ainsi que d'un cadre réglementaire garantissant l'indépendance de la justice. Comme sixième demande, nous demandons à la Commission de manifester sa préoccupation relative à la décision de l'État d'Haïti de mettre un terme au mandat de l'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits humains en Haïti, et aussi de lui rappeler l'importance de coopérer avec les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains. Comme septième demande, la Commission pourrait aussi inviter l'État à ratifier certaines conventions régionales et internationales de protection des droits humains qui n'ont pas encore été ratifiées par Haïti, par exemple la Convention interaméricaine sur la disparition des personnes, ainsi que la Convention interaméricaine sur la question de la torture. Elle pourrait également demander à l'État de s'assurer de la conformité du cadre législatif avec ses obligations internationales. Comme huitième demande, nous recommandons à la Commission de rappeler à l'État d'Haïti les déclarations antérieures émises par la Commission en 2011 ainsi qu'en 2014. Ces déclarations insistaient sur l'importance de permettre la conduite d'enquêtes et de procédures judiciaires diligentes sur les crimes graves commis sous le régime Duvalier, et ce, sans entrave, sans interférence et bien entendu dans des délais raisonnables. Elle pourrait aussi, la Commission, rappeler à l'État d'Haïti et aux États membres de l'OEA de la nécessité de prendre des dispositions nécessaires pour assurer le plein accès aux archives officielles portant sur les violations de droits humains commises sous le régime Duvalier. Enfin,
Le collectif et Avocats sans frontières Canada demande à la Commission de déplorer l'absence de progrès significatifs enregistrés dans la conduite du complément d'enquête ordonné par la Cour d'appel de Port-au-Prince dans sa décision historique du 20 février 2014 qui a été rendue il y a maintenant 4 ans. Cette situation compromet sérieusement le droit des victimes de graves violations de droits humains commises sous le régime Duvalier à un recours simple, rapide et efficace devant un tribunal indépendant. Merci. Thank you very much for your really superb management of time. Thank you. I now invite the country rapporteur, Flavia, to start the commission's intervention. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la contribución muy consistente y relevante. Na calidad de relatora para el país, Haití, y también para la temática de, la, de las personas LGBTI, yo tengo tres comentarios. El primer es nuestro compromiso en conferir atención especial con relación a la situación de Haití. Entonces, tenemos el compromiso de la Comisión de estar en esto, de hacer el monitoreo de los estándares interamericanos de protección y salvaguarda y defensa de los derechos humanos. Me parece muy importante un pronunciamiento de la Comisión, teniendo en cuenta esta audiencia, expresando su preocupación y, una vez más, encorajando el Estado al deber de investigar, procesar, juzgar los crímenes contra la humanidad, el legado de violencia, ¿no? Hacer justicia, combater la impunidad y, sobre todo, la cooperación internacional en el marco de la OEA con relación al acceso a la información, ¿no? A los archivos, porque sin acceso a la información no hay como lograr el derecho a la verdad. Sin el derecho a la verdad no hay como lograr el derecho a la justicia. Y ahí la impunidad se perpetúa, la denegación de justicia a las víctimas se perpetúa en el campo de los crímenes contra la humanidad. El segundo punto tiene que ver con la grave denuncia de ausencia de independencia del Poder Judicial, o que debilita el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, como también la denuncia de corrupción, de disfunción de las Cortes. Y yo pienso para la Comisión sería muy importante tener una documentación sobre esto de forma más precisa, cómo el Poder Judicial de Haití está a violar, ¿no? En términos de nombramiento, de destitución, los estándares interamericanos que son cada vez más sólidos en el marco de la independencia judicial. Hay una jurisprudencia cada vez más consistente con relación a la importancia de la independencia judicial en el marco del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho sin la independencia judicial, sin la protección judicial. Entonces, para la Comisión sería muy importante la documentación, incluso si hay casos, ¿no?, en que hubo la investigación, el proceso y la responsabilización. No sé si hay casos o si la impunidad es generalizada y quizá no hay indicadores, ¿no? ¿Cómo tener indicadores? A comprobar, ¿no?, esto. Y finalmente, en la calidad de relatora para la temática de las personas LGBTI, tenemos el conocimiento de un proyecto de ley aprobado en el 1 de agosto de 2017, lo cual criminaliza la homosexualidad y penaliza a los que la promueven. En mi calidad de relatora me quedé muy preocupada con esto, ¿no? Y me gustaría saber cuáles, si hubo otros pasos en esto, cuál es la reacción de la sociedad civil, o sea, un análisis sobre este proyecto que
viola no frontalmente los derechos de las personas a desarrollar de forma libre, autónoma y plena su personalidad y además crea un contexto de violencia, de discriminación, de intolerancia en el marco de una violación directa a la cláusula de la igualdad y prohibición de la discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Yes, I now invite Commissioner Joel Hernandez to intervene. Muchas gracias, Presidenta, y agradezco muchísimo a los peticionarios por haber venido en primer lugar a Colombia a presentar un caso de extrema preocupación en la construcción del Estado de Derecho en Haití. Ya lo hizo la Presidenta, pero me uno a su preocupación por la ausencia de representantes de autoridades gubernamentales del Estado de Haití. Sin embargo, la participación de ustedes ha sido muy importante, a pesar de esta ausencia, porque la participación de ustedes ha llamado a la atención de esta comisión una situación grave que está imperando en Haití y que es la construcción del Estado de Derecho en general, pero en particular de un poder judicial independiente y de normas mínimas necesarias para la aplicación de la ley. Es de lamentar la decisión del gobierno haitiano de suspender el mandato del representante especial. Me parecen inexplicables, inentendibles las razones por las cuales el gobierno haitiano ha suspendido este mandato. Realmente no es una explicación que podamos compartir. Pero quisiera al mismo tiempo transmitir mi moderado optimismo de que los organismos internacionales puedan seguir apoyando a Haití. Esta es situación muy preocupante. Hay diversos organismos internacionales que han estado apoyando a Haití. Haití tiene en Haití está un número de organismos internacionales representados, incluyendo una oficina de la OEA. Hay un representante del secretario general de la OEA que también ha venido apoyando. Y creo que ahí es donde también tenemos que cerrar filas para poder avanzar el tema que les preocupa. Creo que son obviamente dos dimensiones. Una es la de la asistencia técnica para construir las capacidades institucionales y el marco jurídico necesario para el Estado de Derecho, y otra de índole más particular, que es el caso de impunidad en contra del exmandatario Duvalier, que ustedes han reflejado muy bien. Quisiera, ya simplemente para concluir, recordar que después de una larga presencia de una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, la MINUSTA, cambió de mandato, ustedes lo saben mejor que yo, se convirtió en la misión de Naciones Unidas para apoyo a la justicia en Haití, la MINUJUST, y tiene precisamente dentro de sus componentes la de apoyar con buenos oficios, con labor de abogacía frente al Ejecutivo, frente al Legislativo, frente al Poder Judicial, para avanzar en la reforma del Estado de Derecho. Lo menciono porque es otro aliado de Haití en esta construcción institucional. Esto, desde luego, sin perjuicio, como ya lo ha expresado muy bien mi colega, la comisionada Piovesan, la relatora de país, sobre la atención que esta comisión le puede dar a Haití en sus tres pilares: en su pilar de monitoreo, en su pilar de asistencia técnica que podamos brindar y también, desde luego, en la tramitación de casos y peticiones que pudiesen llegar al sistema. Por favor, siéntanse acompañados por la Comisión Interamericana. I now invite my sister commissioner, Antonia
not saying it. Yuvajola. Okay, well, I'd say it in the English. In English. Okay. Thank you, Margaret. Bueno, primer término quisiera saludarlos y agradecer la exposición que ustedes han hecho acá, lamentar la ausencia del Estado. Creo que es una pérdida de oportunidad muy importante para poder intercambiar información. Para nosotros es muy importante poder escuchar a la sociedad civil y también ver la información que tiene el Estado respecto a las denuncias que ustedes hacen. Lamento mucho eso. Yo no tengo preguntas, sino más bien a propósito del tema de la Comisión de Verdad. Como comisionada a cargo de la Unidad de Verdad, Memoria y Justicia, primero decirles mi disposición de poder trabajar con ustedes para ver aquella posibilidad dentro del Estado de Haití, mi disposición también con el Estado de Haití, para poder discutir esa posibilidad, y en eso les manifiesto toda mi disponibilidad para que podamos trabajar en aquello, si es posible. Y luego comentarles la intención que yo tengo durante este año de poder, y ojalá resulte, realizar algún tipo de reunión de expertos de la región que han tenido comisiones de verdad o tienen comisiones de verdad en curso, más que nada para poder intercambiar las buenas prácticas como también las malas que han habido también, y poder, de acuerdo a eso, quizás buscar consensos comunes y generar una red de apoyo en la región en esta materia que lamentablemente no es solo sobre crímenes del pasado, sino también lamentablemente del presente. Muchas gracias. Thank you very much, Jola. I've been having problems pronouncing my sister commissioner's name, and I'm quite embarrassed by it. I thank you very much for being here. I was given more information as to the absence of the state. I understand that they were followed up, the mission was followed up in Washington, but they got no confirmation as to whether they would attend or not. And I was reminded that this is not the first time they failed to attend a hearing, which is not a good record for a state of the Organization of American States and for the human rights in the hemisphere. I am the rapporteur for the rights of persons of Afro-descendants, and I am rather appalled at the inattention of the state in this extremely important matter, because an independent, fair, and honest judiciary is the last bastion of justice and assures that all the citizens can enjoy their rights and live without fear, because they can rely on the fact of an independent and fair judiciary that their rights will be upheld. And this, unfortunately, is not the circumstance in Haiti. It is very sad, especially because of your historical position of being the first to have attained your independence from the colonial master's heavy foot. And it is sad that you find yourself in this position. And it is clear that all the states of the OAS will have to act together in trying to assist Haiti to recover from this situation, with the assistance of the Commission, of course, because of our mandate. And we assure you that we will try to do everything in our power to do so. I myself, as the rapporteur of Afro-descendants, will try to formulate action plans to attend to this appalling situation in Haiti. And it is particularly appalling because I'm still a practicing lawyer, and I believe fervently in the independence of a judiciary and a strong judiciary. And one, of course, which also should be gender equal. And the appointees must be those that can make
her parties who appear before them in proceedings feel a confidence in their impartial judgments, but the impunity which exists in Haiti at the moment with corruption and so on. And is it true that about 50 judges who have been in some way identified as corrupt judges are going to be reappointed by the president? I hope not, because that sort of leads one to a particular conclusion about the executive. I don't know what else I can say. I cannot comfort you except to say that you have our assurance that we will try to work with you to assist in solving this disgusting situation. I now invite you to make your closing comments, and you have 10 minutes instead of two. Thank you. Alors, je tiens vraiment à remercier la Commission parce que il est évident que la Commission est sensibilisée à la question haïtienne, comme je le vois, d'après les remarques que vous avez formulées. Et je crois que le problème principal qu'il y a et sur lequel nous devons nous appesantir, c'est le fait que l'État haïtien, c'est dommage vraiment que les représentants de l'État ne soient pas là, mais je pense que c'est là le plus gros problème. Il n'y a pas d'engagement de l'État haïtien. Et comme vous savez, vous avez l'expérience, c'est vrai que la société civile, comme nous, nous pouvons intervenir, nous pouvons faire des réclamations, nous pouvons même aller sur le front en quelque sorte. Mais ça ne pourra pas changer vraiment la situation si nous n'avons pas un engagement de l'État. Et c'est là que le bât blesse. Je sais que les moyens sont limités. Vous, la Commission, vos moyens sont limités. Vous ne pouvez pas intervenir de façon directe. Mais dans la mesure où nous avons un contact et que nous maintenons un contact, nous de la société civile en Haïti et vous de la Commission, je sais que vous avez beaucoup de travail, puisque moi j'étais un membre de la Commission et je sais de quoi je parle, mais nous pouvons quand même avancer. Nous avons pu forcer le gouvernement haïtien à, en quelque sorte, endosser la nécessité de modification des codes. Je pense que cela constitue en quelque sorte un progrès significatif. Car si nous pouvons avoir un nouveau code de procédure pénale qui va donc imprimer une nouvelle dynamique à la procédure dans les cas les plus graves et comme dans les cas normaux, simples, je pense que cela constituera un élément de grande importance pour que nous puissions aboutir à un état de droit. Mais ce que je dis en fin de compte, c'est le remerciement, nos remerciements à vous pour l'engagement que vous avez manifesté. Et nous vous assurons que de notre côté, nous allons continuer à dialoguer avec vous. Merci beaucoup. Je voudrais m'associer à Maître Exumé pour vous remercier de l'ouverture d'esprit dont vous faites montre. Et je réitère effectivement que, comme personnellement j'aime à le dire, les causes que l'on considère comme perdues, c'est elles qui ont besoin d'être soutenues. Sinon, le reste, ça va bien. C'est quand c'est très difficile qu'on a justement besoin de cette attention. Et vraiment, Haïti le mérite. Comme vous l'avez signalé, Madame la Présidente, au nom de l'histoire et au nom des luttes que ce peuple n'arrête pas de mener, il y a de très graves difficultés économiques en Haïti. Cependant, l'essentiel des mobilisations populaires porte sur des questions de dignité et de justice. C'est quand même assez frappant. Non pas que les gens ne parlent pas des problèmes de cherté de la vie, de droit au logement, mais fondamentalement, c'est toujours dans une perspective de droit. Et je pense que c'est suffisamment particulier pour devoir retenir l'attention.
les rues de Port-au-Prince et les autres villes du pays, les manifestations, eh bien, c'est pas des émeutes de la faim, c'est des revendications concernant les droits des personnes à vivre dignement. Cela étant dit, nous aussi, nous déplorons l'absence de l'État. Nous n'en sommes pas étonnés. Et je crois que ça illustre ce que je disais précédemment. C'est aussi cette indifférence. En même temps, il n'empêche à personne de venir se présenter, qu'il y ait des pétitionnaires devant la CIDH. Mais l'absence d'action est en soi un blocage. Et je pense que c'est aussi une méthode. Et ce que vous voyez, ce qui se passe ici à la CIDH, c'est exactement ce qui peut se passer quand on essaye d'avoir ce dialogue aussi au niveau national avec l'État. Ils sont absents ou bien il n'y a pas de réponse par rapport à des demandes très spécifiques. Donc, c'est aussi, ça fait partie, eux, des mécanismes de blocage. Cela dit, il faut en prendre acte, mais ne pas s'y arrêter. C'est pour ça que ça s'appelle des combats. Il faut continuer à insister jusqu'à obtenir, parce qu'une chose est claire, des États comme Haïti, l'une des choses que les autorités détestent le plus, c'est le fait qu'on insiste auprès d'eux. Okay? Et je crois que ça, le rappel à l'ordre, ça, ils détestent ça. Ça veut dire, on ne fait pas, mais s'il vous plaît, ne le dites pas publiquement. OK, eh bien, nous avons l'obligation de le dire publiquement dans le respect des procédures qui sont établies, mais en insistant sur ce fait-là. Et je voudrais terminer en disant sincèrement à la Commission que les déclarations que vous avez faites ont toujours, et les dernières particulièrement, été extrêmement importantes parce que ça donne voix, non seulement à la parole des victimes, des défenseurs de droits humains, et surtout que techniquement, le travail est suffisamment bien fait pour que ce soit des points de droit qui nous aident à progresser. Donc, en ce sens, même quand les changements ne surviennent pas aussi rapidement qu'on le souhaite, le fait de disposer de ces documents de la Commission, ça, c'est un socle pour notre travail. Merci. Juste en réponse à la question de Mme Flavia Piovesan sur la situation des droits des LGBTI en Haïti et aussi de la présentation et de l'adoption en fait de deux projets de loi en Haïti, l'un criminalisant le mariage entre personnes de deux sexes et l'autre sur la question des certificats de bonne mœurs. Donc, c'est la prochaine étape, en fait, en ce moment, c'est l'étude de ces deux projets de loi par la Chambre des députés. Et en Haïti, oui, il y a plusieurs organisations de la société civile haïtienne qui travaillent sur ces enjeux. Donc, j'ose espérer que lors de votre prochaine visite ou éventuelle visite en Haïti, vous aurez l'occasion de pouvoir les rencontrer pour qui font du travail de suivi assez actif sur ces enjeux-là. Thank you very much. I just ask Assistant Secretary. Executive Secretary of the Commission to check when the Commission last made an in-loco visit to Haiti, and the records seem to show that it made a working visit in 2009. Working visits, there seem to be several. The last in-loco visit was in 2000, in the year 2000, so it's past time. It's overdue. And we will discuss it with our other member commissioners so that we can try and make representations to the state so that we can, in fact, go there in full plenary membership, because that will be far more effective
than a working visit with just one commissioner on her very own, or even two, and so on. So we will try to work on that. And we do assure you that we will continue to work avidly on this matter and monitor the situation as much as we can and seek the aid of the Organization of American States itself, because that's the political body, to put whatever political pressure it can on the state to rectify the situation. But I listened to you about the having a new penal code. But remember that unless you have a strong and independent judiciary, you can have the best laws, but, you know, they would not be meaningful. So what I think we have to work with first is a strong and independent judiciary, and which will secure the rights of all citizens there. We thank you so very much for coming and for your information today. And please, if you have any further information, kindly send it in to us so that we can be further informed. And any time that you have information to send to us, but we will communicate with you, and we will communicate in to the state about this hearing and what the commission's view is of their absence, and that what we wish to do is to go and visit and meet with state officials there if they will not come to us. So thank you very much. Thank you very much. This hearing is at an end, and we have our next hearing is to commence at 10:15. Thank you so much. I'm not